Salut a tous e soyez les bienvenus. Hoje é um grande dia. Eu adoro dia 31 de dezembro. Em francês a gente diz le réveillon du jour de l'an. O que, que é le réveillon du jour de l'an? A gente em português diz apenas réveillon. Mas se você assistiu o meu vídeo do dia 24 de dezembro, você já sabe que réveillon em francês pode ser várias coisas. Então você precisa especificar réveillon du jour de l'an. Bom, jour de l'an é o nome do dia 1º de janeiro, dia do ano, le jour de l'an. E aí, por isso, dia 31 de dezembro, antes da passagem, le réveillon du jour de l'an. Hoje eu vou contar para você, em francês, 100% em francês, um pouco sobre as tradições de ano novo na França. E eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje, neste grande dia. On y va! Non, en France, on ne s'habille pas en blanc, on ne saute pas cette vague. Nous avons des traditions de Nouvel An très différentes de celles du Brésil. Je vais vous dire la vérité, je préfère les traditions brésiliennes. Mais je vais quand même vous expliquer un peu ce qu'on fait en France pour le Nouvel An. Tout d'abord, si Noël, c'est une fête de famille, le Nouvel An, comme au Brésil, c'est plutôt une fête qu'on fête entre amis. Et pas tellement entre la famille. Boum, c'est tombé. Et pas seulement en fête entre amis, mais on ne va pas à la plage parce qu'il fait trop froid et on ne s'habille pas en blanc, comme je vous ai dit, parce que c'est l'hiver et les traditions n'ont rien à voir avec la couleur blanche. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on trinque. Qu'est-ce que c'est trinquer? C'est prendre une coupe de champagne et trinquer tling, avec ses amis à minuit. Donc, bien sûr, avant minuit, on compte les 10 dernières secondes à peu près pour que l'année change. Et on a une différence horaire avec le Brésil, donc l'année change un peu avant le Brésil. Et à ce moment-là, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'embrasser, ce n'est pas s'embrasser sur la bouche, d'accord? C'est s'embrasser, se dire bonne année. Alors, comment on souhaite la bonne année à quelqu'un? On dit simplement bonne année. Bonne année, tous mes vœux de bonheur pour cette bonne année, pour cette nouvelle année. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a trinqué et tout, on peut s'embrasser sous le gui. Qu'est-ce que c'est le gui? C'est une plante et on dit que le gui porte bonheur, donc c'est important qu'on essaie de s'embrasser sous le gui pour le nouvel an. Puis les gens vont dans la rue et dans la rue tout le monde crie bonne année, bonne année, bonne année. Et les gens klaxonnent beaucoup, donc c'est un son très caractéristique du 31 décembre, 1er janvier. Les voitures qui passent et qui klaxonnent ta, 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 pour fêter, pour se dire bonne année, pour montrer qu'il y a quand même une sensation de fête dans l'air. Normalement en France, on mange des lentilles le 1er janvier. C'est une tradition qui vient sûrement de l'Italie et on la maintient en France. Donc on mange souvent des lentilles pour le 1er janvier. On mange aussi des raisins, manger 7 raisins, 12 raisins au coup de minuit. Et ça, c'est une tradition qui vient de l'Espagne. Ce n'est pas vraiment une tradition française. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une tradition française, sauf le foie gras et le champagne, bien sûr, qui sont toujours présents pour le Nouvel An. Et ce qui est important, c'est que le Nouvel An, c'est un moment pour les bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous explique comment remercier et tout. Mais le Nouvel An, c'est l'occasion de faire de nouveaux plans, d'imaginer une nouvelle vie, de se dire ben, « cette année, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de ma santé, je vais mieux manger, je vais faire du sport, je vais apprendre le français. » Je suis sûre que c'est dans votre liste, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui avec moi. Alors d'ailleurs, je vais vous dire 5 choses, 5 résolutions de Nouvel An pour moi et j'espère que vous allez pouvoir écrire dans les commentaires quelles sont vos résolutions pour le Nouvel An, pour cette année de 2021 qui est tout près de nous ou peut-être que vous voyez cette vidéo quand nous serons déjà en 2021. Moi en 2021, j'ai de grands projets. Tout d'abord, je veux m'occuper de moi, de ma santé, c'est un peu un cliché. Mais j'ai tellement travaillé avec Covid et tout, et puis avec le bébé aussi, je ne me suis pas tellement occupée de moi ces derniers temps. Alors c'est l'heure, en 2021, je vais faire du sport régulièrement, 4 à 5 fois par semaine. Écrivez-le, vous allez me le rappeler pendant l'année. Je vais aussi organiser mon entreprise pour que je puisse travailler un peu moins et avoir un peu plus de temps de qualité avec mon mari Paolo.
Cette année de 2021, je veux rencontrer plus mes amis. Il me manque vraiment. J'espère que Covid, ça sera une chose résolue dans notre vie au long de l'année et qu'on aura finalement le vaccin et tout et qu'on pourra voyager, aller en France peut-être. Ça dépend du Covid, mais j'espère pouvoir aller en France. Et encore une résolution de nouvel an, c'est de pouvoir créer le meilleur matériel de français que vous trouverez en ligne dans votre vie. Donc, si vous avez des idées, etc., n'hésitez pas à me proposer des choses parce que c'est un de mes objectifs pour 2021. Voilà, j'espère que vous aurez aimé et j'espère surtout que vous allez aussi faire vos résolutions de nouvel an. Et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, comme on dit en français, tous mes vœux de bonheur, une excellente année, bonne année. Et on se voit en 2021. Ciao !